créer un plus de grandeur nature. Assez fort. Sam est assez fort. Avec son arc, il est assez fort. Là, il a juste une petite lacune pour savoir où est son ennemi. Gauche, droite. Il tape souvent à côté, mais attention. C'est un peu ça son point faible, mais sinon pour le reste, il est complètement intestable. Son adversaire n'a pas compris son point faible, il a toutes ses chances. Tant que quelqu'un ne dit pas à voix haute son point faible. C'est-à-dire que il tape du mauvais côté. Ouais. Tant que voilà, tant qu'on le dit pas, il doit s'en sortir. Ah, il essaye de gratter comme un crevard. Sur la balette déjà. Voilà, on échange un commentateur, c'est parti, c'est chaud, ça brûle, on va gâter le coin. Alors, bon, il se passe pas grand chose. Ah et voilà, il a pris un stock à la grande surprise de tout le monde, hein, je viens d'avouer. Même de lui, hein, à notre magnifique Paul Godwin. C'est exactement ça. On l'a vu, point de vue, c'est moche derrière. Bah, est-ce qu'on appellerait pas ça le fair play? Ou alors le manque de respect total? D'accord. En tout cas, Fox a l'air d'être très rapide, très réactif, et Mars beaucoup moins. C'est un renard apparemment. Bah, c'est un renard en effet. C'est un renard avec des jambes bioniques. Donc Fox peut dire petit chien, c'est ça? D'accord. Non, je vais éviter parce que il y a des enfants qui vont peut-être regarder, on sait jamais. C'est vrai, il y a tellement de sang de. Voilà. C'est ça, on attend d'ailleurs la fatality, hein, la brutality même, c'est très important. Il conditionne son adversaire pour pouvoir lui défoncer sa race. C'est la violence, c'est vraiment très violent comme jeu. C'est vrai que quand on voit Mario se faire défoncer un peu violemment. Bah là Mars, là il fait pas grand chose, hein. Non, j'allais faire une blague, mais en fait je me suis rappelé que c'était Twix, c'est pas Mars, qui s'appelait Raider avant. Des blagues que seuls les plus vieux d'entre vous comprendront. En tout cas, c'est très. Comment dire? Je peux pas trouver mes mots, c'est pas grave, je vais arrêter mon commentaire. Ouais, on là-bas, je vais peut-être aller chercher, je sais pas encore. Ce terrain est magnifique, il change beaucoup. Extrêmement volutile, ou volatile. Volubile, c'est le mot que je cherche, oui. Voilà. Oh là là, attention. Reste dans ce coin là, bouge pas et frappe dans l'autre sens, voilà, c'est bien. Voilà, non, mais l'autre sens, quand il est derrière toi. C'est ça, c'est vrai que c'est très compliqué comme on a dit, frapper son adversaire dans le bon sens c'est une technique avancée, hein. On l'a déjà dit, c'est vrai que c'est plutôt compliqué, un match de 3 minutes souvent ça veut dire que, et ça counterpick bien entendu, donc on a droit à un Mars, un Mars au carré, oui, assez sympathique. Le magnifique. Celui qui bouge bien et qui défonce la race de l'autre, c'est celui qui est bon et c'est point Godwin. Malheureusement, hein, pour notre ami Spider ici présent. Pas Spider, excuse-moi, c'est Silver, voilà, excuse-moi. Ça c'est la fatigue. on pif sur les pseudos, ça va. Alors voilà, donc une première mort de Mars, le Mars bleu bien entendu. C'est ça. D'accord. D'accord. Alors vas-y Mars, bleu bien entendu, hein, parce que l'autre, on sait qu'il va gagner. Que c'est méchant, c'est bon. Bon bah, oh, en tout cas c'est sympathique. Voilà. Il a pris un stock. Voilà. Ah ça c'est vraiment une hype de ouf. Là vraiment c'est le match est très très serré. Hein. Très très serré. Bah il est pas là, juste public, excuse-moi. C'est ça. Oh bien joué. C'était bien joué ça. Ah ça moi. Je suis quand même étonné parce que Sam en général est
il est vraiment meilleur sur le live. Quand il joue en ligne, là il est vraiment vraiment très fort. Quand il est en tournoi, il est un peu... Il y a le stress de la compétition, il y a peut-être aussi... C'est ça, je pense. C'est ça. Notre ami Poulidor, le petit Poulidor français, bien entendu. Hein, que... Bien joué ! Mais dis donc, il a pris un deuxième stock. C'est assez, assez surprenant. Et en... Non, je ne pense pas. Je pense que... Il a tenté... Gondadouin a tenté... l'humiliation totale. Oh, peut-être que c'est ça. Voilà, c'est comme ça qu'on joue. Ce qui encore est encore plus humiliant en fait. Voilà. Après bon, il est très sympathique quand même notre ami Godwin. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin. Donc le fameux page blanc. Voilà. Pour ceux qui savent ce que c'est un page. C'est un truc qu'on écrit dessus et c'est dans les livres. Lisez-en d'ailleurs, c'est très bien. C'est bien les livres. C'est bien les livres mangeaisons. C'est bien les livres mangeaisons, c'est très bon. Voilà, viens, un petit commentaire. Voilà, donc le Mars bleu qui a tout tenté, qui a vraiment bien joué, hein, voilà, quand même, voilà. Je dois le dire. Voilà, donc le commentaire, vas-y, rapproche-toi du micro. Je voulais pas faire de mal à mon adversaire, moi je promets la paix avant tout. D'accord. La paix, et puis. C'est pour ça que tu dois les deux combats en fait. Voilà, oui. Alors, de me taire et de partir. Oui, tu as le droit, tu as tout à fait le droit. Voilà, c'est merci de ton commentaire. Et donc, voilà, un joueur qui prône la paix. Voilà, c'est très bien de prôner la paix. Après, bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour se latter, hein, bon, voilà, on veut voir du sang, Voilà, c'est ce qu'on veut voir. Voilà, le sel, c'est important. Bon. Ça, le sel c'est bien, mangez-en. C'est ça, il faut en manger, mettez-en dans vos pâtes, mais pas trop, attention, hein. Ça peut faire mal aux reins et à d'autres trucs, parce que je sais pas trop, hein. je suis pas un biologiste moi. C'est pas mon truc, je suis pas médecin. On va peut-être arrêter ce commentaire. On va arrêter ce commentaire. Voilà. C'est quoi le prochain match? Je sais pas. C'est quoi le prochain match? Il y a des soucis d'informatique. Alors, il y en a deux en fait. mais j'ai pas trop envie de bouger. J'adore ce micro. Non, c'est pas la flemme. C'est plus une passion. Voilà, une passion pour le commentaire. C'est le fait d'avoir un truc un peu phallique devant ta bouche. Un peu phallique. ouais, t'as une bite chelou quand même. Hein, je dois bien l'avouer. Enfin bref. On coupera ça au montage.